Je viens vous donner de l'aide, les amis. Je viens vous donner de l'aide. Je vais faire les partages. Et j'arrive. Je fais les partages et j'arrive. Salut Hassan. Je vais faire les partages, j'arrive les amis. 2 minutes. Hop, hop, hop. Merde. Salut les amis. On était bien parti avec un 6 de 4, 10, 5, 13, 15. Et apparemment maintenant on travaille avec l'heure pendant quelques courses. Ça alterne hein, les amis. Soit on prend avec un 6 de 4, 5, 10, 13, 15. Ou soit on prend avec l'heure, soit on prend avec le favori. Par exemple c'est le 2, donc faut égaler 2, faut égaler l'as, faut égaler 3. Ou alors le 2, on met un 1 devant. On fait 12, donc il faut égaler 13, il faut égaler 11. Par des calculs, hein, 6 et 7, 13, 6 et 5, 11, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Tu peux mettre des belles cotes, si la course est compliquée, tu mets des belles cotes. Attends les gars, j'arrive, hein. Je fais les partages. Normalement je peux partager sur les groupes, là. Alors, déjà on va être un peu plus normalement. Je sais pas si on entend le son derrière. Faire le partage. Salut Nini. 4-5 pour toi Nini, 4-5. Je partage chez vous les amis Messenger. Je vais partager sur les groupes aussi, sur quelques groupes, parce que si je partage de trop, Facebook va me bloquer. Attendez, hein, ça va mettre un peu plus de temps que d'habitude. Je partage pas trop de groupes parce que après je me fais bannir de Facebook. Hein. Je vais copier le lien, je vais partager sur mes pages. Normalement les pages elles sont comment liées, mais bon, je sais pas. On a le 2 en favori à 1,9. Hein. Attention à l'as, c'est au 9. Hein. Ah, le 9, il est cher là. Il est cher, il est cher. Comment on fait 9 avec l'as? Comment on fait 9 avec l'as et le 2? On fait as 2-7, on fait as 2-6, as 2-7. 5 fois 2, 10, moins 1, 9. 7 et 2, 9. 7, 2, as 5. 7 et 5 sont des belles notes à R1C1. À 13 euros, peut-être la chance en simple placé. Bon, désolé, attendez les gars, je fais les partages, j'arrive.
Nini dans le quintet de le 12 d'hier. Tu reprends le 12. Tu reprends le 12 aujourd'hui. Le quintet, c'est... on est sur les horaires d'été, là, pour le quintet, là. Le week-end, ça se... Ah ben non, c'était le vendredi. Ça se passe à 13h50, le vendredi, maintenant. Comment ça se fait? C'est les horaires d'été pour le quintet, là. Le vendredi. Généralement, c'est à 20h... l'hiver, c'est à 20h et des bananes. Non? Moi, j'ai remarqué ça, mais bon. Attendez les gars, je fais des partages, encore 4-5 partages à faire. Ah, merci les amis, vous êtes en nombre. Là. Quand je peux partager sur les groupes, ça y est, on est un peu plus nombreux quand même. Salut Balti. Quand on est possible de partager sur les groupes, ça fait un peu plus de monde. Bon alors, mon pronostic, hein, je vais essayer de détailler, je vous donne simple gagnant placé, simple placé, puis je vous donne une formule 2 sur 4, hein, on verra ça, je vous donne des calculs. Je vais donner plusieurs combinaisons, vous inquiétez pas, mais je vais en poser une, je vais mettre en commentaire une combinaison. Hein. Je vous donnerai les simples placés à mettre. On est bon, il y a des bons pronostiqueurs, mais tu vois bien que rien n'est joué d'avance. Hein. Attention hein, sur les mises, attention sur les mises, les gars. Tu peux aussi bien vite gagner que vite perdre. Je fais les partages, les gars, sur mes pages. J'ai partagé sur 2-3 groupes. Ah, je comprends rien, Baltimore. On a le 2 gagnant. Le 2 gagnant, tu rajoutes à une dizaine devant, ça fait 12 et 13. Il faudrait égaler 12 et 13. 4 fois 3, 12, tu vois. On a le 12. On a le, il faudrait égaler 13. Il y a le 5 ou le 7, 4e, 5e, on va voir. On va voir. Le 5 ou le 7, ouais, j'avais le 5 ou le 7 à mettre en simple placé, non? Je sais plus quoi, et ils arrivent quatrième, bon. Quatrième place, c'est une ibette, hein, c'est les boulets, je crois. Non, c'est quoi? C'est, ouais, boulets. Allez, on va partir sur les pronostics. Ah bah les gars, c'est toute une mise en place, hein. Un Nini 4-5, pfff. Bref, il fallait jouer en 2 sur 4. Je sais pas si 5 y passe. 5-7 sont un peu loin, je les voyais plus près. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ce matin comme configuration d'arrivée là? Un petit peu des suites de numéros. On a quoi là? Merci les amis, merci. On a quoi des suites de numéros ce matin ou quoi là? R3-C2. R1-C1, 2-3-4-5. R3-C2, on a quoi? R2-C6, on a quoi? 4-5-6-7. Je parle des 2 sur 4, hein, impossible à rentrer. Hein. R3-C1, il y a 10-11-12-13. R2-C5. Bon, c'est pas vraiment ça, les gars, mais vous m'avez compris, c'est... J'essaye de dégrossir déjà pour voir ce qui tombe comme formule, là, le 26 du mois. Hier, le 25 du mois, on est plus sur les favoris. Faut jouer les favoris en France chez PMU ou Equidia, la chaîne Equidia, ils donnent des favoris. Et ils sont bons à jouer le 25 du mois. Il y a du 6-9 ce matin, il y a quoi? Il y a du 6-9, il y a des séries, il y a quoi? Ah, tous les jours, c'est pas pareil, les gars. On peut tomber sur du 6-9. Bon, du 6-9 en simple placé, en gagnant hier le 25, c'est pareil. Les favoris, puis 6-9 sont gagnants le 25 du mois. Et sinon, il y a des configurations d'arrivée pour un petit peu chaque jour ou tous les deux jours, quoi.
Là, on est plus sur quoi? Hier, on était plus aussi sur 9-6-3-2, 9-7-3-2, 9-8-7, 9-8-7-6-5. On était plus là-dessus hier. Moi, je te parle pas sans les dizaines, sans mettre les dizaines. Et aujourd'hui, j'aimerais bien regarder la configuration, ce que c'est aujourd'hui. Je vais la trouver, mais 7-5, 7-5-2, 7-5-2-4, As-3-5, As-3-5-2-4. Bon. On était bien commencé avec As-6-2-4 et puis 5-10-13-15. Et on part en. On avait bien commencé pendant 2-3 courses et on se prend 5 courses dans la gueule. On n'a pas grand-chose à se mettre. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas jouer les yeux fermés, les gars. Vous auriez pu faire le plein les 2-3 premières courses et puis tout jouer derrière. Puis là, on va être buté, là. R3, C3 à Nantes. C'est de l'attelé, c'est 3000 mètres. 13h40. 13h40 à l'heure de départ. Hein. Le 11, favori. Donc, il faut qu'on égale 10 et 12. On a une cote à 1,5. On a les courses d'avant, on a 2, 3, 4, 7, 5. On a le favori, le 11, à 1,4. Je prends mon ardoise. Donc il faut qu'on égale 12, il faut qu'on égale 11 et il faut qu'on égale 10. Donc le 12, comment on fait ça? 12, on fait en As-2 peut-être. As-2. Le 11, comment on fait ça? On fait 6 et 5, 11. Le 10, comment on fait ça? 5 fois 2, 5, 2. Le 9 et le 6 arrivent souvent, donc on va mettre le 9 dans nos calculs. On fait le 10, on fait 9 et 1, 10. Le 12, on fait 9 et 3. Ou alors le 11, on fait 9 et 2. Le 2 revient souvent. La course d'avant, on a quoi? 2, 3, 4, 5, 7, 5. 2, 3, 4, 7, 5. Par des calculs, on a déjà 2, 3, 5 dans nos calculs. On va regarder les cotes qu'ils ont. C'est de la charrette. On peut se trouver avec des fautes et tout. Il peut rentrer le 2, effectivement. La course d'avant, on a le 2, donc on peut reprendre le 2. On a 3, 4, 7, 5. Si on a le 2, alors faut égaler 10, donc on fait 2 fois 5. Après, il faut égaler aussi la cote du favori. Hein. Là, elle monte à 1,6. 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. On a le 2 et le 4 de la course d'avant. On prend le 5. 5 fois 2, 10. On aurait le 10. Le 11 est favori. Donc, il nous faut 10. Et il nous faut 12. Et il nous faut 11. 4 et 2, 6 et 5, 11. 5 fois 2, 10, attends, 5 et 4, 9 et 2, 11, on a le 11 deux fois. Donc qu'est-ce qu'on met? On met le 11, on met 11, 2, 4, 5, 11, 2, 4, 5. On va regarder qui c'est cela. On va regarder l'âge des chevaux, tout ça, voir si ça tiendrait debout, ça, ce pronostic-là. On est à Nantes, hein. À Nantes, qu'est-ce qui tombe à Nantes? Qu'est-ce qui tombe à Nantes, pour se faire une idée, qu'est-ce qui tombe à Nantes? Il y a 2, 5 tout à l'heure, 14, 12, 7, 5. R3, C1, il tombe 13, 3, 12, 2, 10. Tu vois, faudrait qu'on égale 11, 12, 10 avec le 11 favori. Donc on a le 11. 5 moins 4 égale As. Là, c'est 11, ça fait 12. Faudrait qu'on égale 10. 5 fois 2, 10. On a le 11, le 10 et le 12. 11, 2, 4, 5. On va regarder si ça serait crédible avec... l'âge des chevaux, tout ça, là, et qui c'est sur le 11, 2, 4, 5. Il y a Raffin sur le 11, il est crédible, Raffin. C'est des 4 ans, hein. C'est des 4 ans, idem sur le 11. Moi, ce qui m'emmerde, c'est soit de mettre le 9 ou le 6 qui sont partout. Si on se prend avec le 9, Irène d'Ocagne, le 9.
Si on fait Irène Dokang avec le 9, si on fait Irène Dokang avec le 9 pour faire 11, 12, 10, on fait 5 moins 3, 5 moins 2 égale 3, 9 et 3, 12, on a le 12, on a le 11 et le 10, comment on fait le 10, comment on va faire le 10? 1 et 1, 2, 2, 3, 5, fois 2 alors. 11, 3, 9, 2, ou 11, 2, 4, 5. On va regarder lequel. Vu la complexité de course que c'est de l'attelé, c'est 3000 mètres, hein, mon ami, porte de l'attelé, c'est 3000 mètres. Hein. Ça serait bien quand même de mettre le 9 quand même, hein, avec la formule avec le 9, hein, 11, 9, 2, 3, ou un truc comme ça. Putain, le 3, il est cher là. Non, c'était 5 moins 2, 3, 3. Ouais, c'était ça, 5, c'est 11, 5, 5 moins 2, 3, c'est pas pour prendre le 3, c'est pour prendre le 5. 5 moins 2, 3, 9 et 3, 12, le 12, le 11, 5 fois 2, 10. Là, on a 11, 12, 10, avec le favori, le 11. Le 12, ça serait favori, il faudrait faire 13 et 11 et 12. Le 10, ça serait favori, il faudrait faire 9, 11 et 10. Pour ce que tu as retrouvé, hein. 11, 5, 9, 2. On va regarder si c'est crédible. Il y a Irmosa Bella le 5 avec Marmion, Jean-Paul Marmion. C'est quelque chose. Hein. Le 2, c'est Ibiza Marcy. Pourquoi pas, avec des codes comme ça, le 2 peut rentrer. Le 9, Irène Dokang. Le 11. Après, les anciennes places du 11, on a As 4, 5, 7, 3, 2. Les anciennes places du 11. As 4, 5, 7, 3, 2. As 4, 7, As 4, 5, 7, 7, 3, 2. On a de 5. On a de 4, 5. 4, 5, 2. 4, 5, 2, 7. 4, 5, 2, 7, As. 4, 5, 2, 7. Attends. Il faudrait faire 11, 10 et 12. 11, 10 et 12. 4 fois 3, 12. Fait chier de mettre ce 3 là. Qu'est-ce qui est perturbant le 3 là? Il est perturbant le 3 là. Chez moi, il est à 113 euros et à l'écran, il est à 38 euros. Il n'a le cas de Lieuvent là. Tu vas le regarder s'échauffer là. Est-ce que la course d'avant, on a quoi? L'arrivée de la course d'avant? L'arrivée de la course d'avant? C'est quoi l'arrivée de la course d'avant? 2, 3, 4, 7, 5. 2, 3, 4, 5 à reprendre. 2, 3, 4, 5 à reprendre. Vu la complexité de course que c'est, 2, 3, 4, 5, non? C'est 9 qui est emmerdant, là. On va pas s'en sortir, les gars. Attends. As. Attends. 7, 5, 2, 3, 4. On a 11 partants. 11 partants, il faut faire 6 et 5, 11. Ah, comment on fait 6 et 5? On fait 4, 2. 4, 2, 6. pardon, 4, 2, 5. Attends, qu'est-ce que je raconte? Ouais. 4, 2, 5, 3, 4, 2, 5, 6, 4, 2, 5, 4, 2, 5. Quelques réserves donc concernant sa police, hein, qui a des moyens, c'est vrai qu'elle a monté à plusieurs reprises. Par contre, c'est des 5 ans. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8, 4, 2, 5, 9. 4, 5, 8, 4, 5, 8, 11. Ici donc la favorite d'Amès, j'espère qu'elle se montrera sage. Ce qui donc n'a pas été le cas tout à l'heure au moment de son compère, mais bon, certains au moins. Attends, 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 attends. 8 et 1, 9, 8, 8, 20, 20 moins. Entre le 8 et le 9, un simple placé, 8 et 9. Bah, c'est ma première, les gars, du calme.
8 et 9 en 13 simples placés. Invicta, effectivement, Jean-Paul Monclin. Ripoll Rigo, 8 et 9, 17, 7 et 1, 8. 8 et 8, 7, 8 et 9, 17. 7 et 1, 8. 8 et 11, 19, 1,9. 11, 8, 9. Je suis emmerdé. 8 et 9, c'est un peu placé, c'est tout là. J'ai que ça là. 11, 8, 9, couplé, peut-être couplé placé, 2 sur 4, 11, 8, 9. Je peux même pas le poster là. C'est ma première, hein, les gars, du calme. Je suis pas encore. J'ai pas encore les automatismes. Allez, c'est parti. Avec un bon départ pour Yarno Zabella qui prend immédiatement l'avantage. Je vous le mets quand même, hein, 11, 8, 9. Eric Goyer, Alain, là, face au là. 11, 8, 9, 2 sur 4. Nini, 4, 5, 9. L'arrivée, le 4, c'est Raffin. Salut Ismala. 4, 9, Nini. Hassan Las. Nini, 4, 5. Il faut que je me rôde, les gars. Je suis pas rodé, là. Cherchez mon éponge. Vous voyez l'ardoise quand je fais ça, ouais? Bon, il y avait deux possibilités là. Il y a toujours plusieurs possibilités. Vous trouvez la bonne. Quand tu te compliques trop la tête, t'es pas bon après. Tu sais, ça se trouve, je l'ai là. Je l'avais là, là. 11, 5, 9, 2, 11, 2, 4, 5. Et puis je suis parti dans une théorie après. Ça peut me porter la poisse. Je vais attendre l'arrivée pour voir. Ouais, je mets un tableau. Huit disqualifiés, ouais. On accélère également avec le 9 Irène de Cagne. Irène de Cagne qui tente de prendre la tête, mais qui est contré pour l'instant par Irène Zabella. Irène Zabella semble finalement laisser passer sa rivale. Irène Zabella qui est relayée maintenant en tête par le numéro 9 Irène de Cagne. La troisième position, il y a toujours le 4 par Iris et Violet. Il y a un gros effort de la Lidja qui vient à son tour rejoindre le groupe de tête. Très loin également, il y a le 7 virus de Chenu. On avait les anciennes places, hein. Regardez, pour vous dire les anciennes places des favoris qui est annoncé sur l'application PMU en France. Les anciennes places, As 4, 5, 7, 2, 3. Regardez bien. On peut peut-être piocher déjà dans les anciennes places. Après le 5 ou le 7, on peut le faire en 4 et 3, 7 ou 4 et 1, 5. On peut se faire des formules comme ça, mais c'est appréciable, les anciennes places. Voilà, c'était l'important, c'était l'As. Je cherchais entre le 2 et 3, c'était un peu plus haut, on avait l'As. Bon. Je l'appréhendais, mais ouais. J'en ai même pas parlé, mais je l'avais. Je dis putain, je sais les recherches comme ça à chaque fois, comment ça tombe. À chaque fois, on tombe à côté. Quand on arrive à savoir que ce qui va tomber, mais que t'as pas envie d'en parler, à chaque fois, ça tombe. Ouais. Qui tente également de refaire du terrain avec toujours l'avantage pour Iris Desiolets aux abords du poteau à 100 mètres de but. Toujours détaché du numéro 7, Iberos de Chenu. Et puis en retrait, Armoza Bella qui a trouvé l'ouverture avec également dehors le numéro 3. Il y avait le 11 favori, 4 x 3, 12. Fallait qu'on fasse 11. 6 et 5, 11. 4 x 3, 12. Bon. Il fallait qu'on fasse 10. 6.4 égale 2. 2 x 5, 10. Bon, on l'avait la suite, hein. 11, 2, 4, 5, 11, 9, 5, 11, 9, 11, 5, 9, 2.
La course d'avant qui venait de se courir. C'était où la course d'avant qui venait de se courir? Je t'ai dit, on reprend la même arrivée. Et puis, j'étais emmerdé quand même. Bah, si t'as quoi, si t'as le quoi de faire plusieurs tickets, c'est marrant, mais. 2, 3, 4, 7, 5, hein, R1C1 à Cagnes. Non, attends, c'est quoi? Ouais, 2, 3, 4, 7, 5 à Cagnes-sur-Mer qui venait de tomber. Je t'ai dit, on reprend la même. Ça m'a emmerdé, mais. Putain de merde. Bah, celui-là, il passait en 2 sur 4. Hein. 11, 2, 4, 5, 11, 2, 4, 5. 11, 5, 9, 2, ça passe pas. Le 2 est un peu loin. C'est le 3 qu'il fallait faire confiance. Il me paraissait un peu fort, il a monté, là il était haut, là il était plus bas, puis il a monté pendant la course. Le 9 ou le 6, c'est toujours les redoutables. Ils font chier, ceux-là. Ils sont toute l'année à faire des belles arrivées à des belles cotes, mais on est sûr de rien avec eux. Le 9 et le 6, c'est vraiment les surprenants, quoi. Mais ils payent, hein. Il y a quelques fois, et même beaucoup de fois, ils sont vraiment, quand ils arrivent, ils sont vraiment très bien payés. Le 9 et le 6. Hein. C'est toujours les meilleurs qui arrivent à belle cote, le 9 et le 6, hein, pour moi. Mais il faut savoir les placer. Hein. Bon, c'est ma première, les gars. Il y a 4, 5, 6, Nini, tu l'avais. Hein. Bien vu, Nini. 4, 5, 9, ouais, l'arrivée. Le 4, c'est Rafin, Nini, ouais, bah, ouais. Il était rassurant, Rafin, quand même. 4, 9, Nini. 4, 5, ouais, 4, 5. Allez. J'étais bloqué sur les groupes, les gars, je suis désolé. Allez, on va R1-C2, on fait 7 partants. L'arrivée d'avant, c'est 4, 5, 6, 3, 7. On a l'As le favori. Alors avec l'As le favori, il faut faire combien là? On rajoute une dizaine à l'As. On va rajouter une dizaine. Une dizaine de quoi? On va faire 10, on va faire 10, 11, 10, 11, 9. 9, 10, 11. Faudrait qu'on égale 9, 10, 11. Des belles cotes là. Je suis pas sûr avec classe en favori. Il a 1,2. 1,2 contre 1. Il a ses R1 C2. Il peut tomber l'As 2. Hein. R1 C2. Bref. 13h58 aussi l'heure de départ. 13h58. Qu'est-ce qu'on avait les anciennes places R3 C3, les anciennes places du favori? Je t'en ai parlé tout à l'heure, les anciennes places du favori. On avait 4, 5, les anciennes places du favori. Tout à l'heure, la course qui vient de se courir à Nantes, le favori, les anciennes places, c'était As 4, 5, 7, 3, 2. On avait 4, 5, 3 à prendre. Hein. On a même le 7 en 5e position, 4, 5, 7, 3. On avait l'As qui était en première, on ne l'a pas pris l'As. As 4, 5, 7, 3, 2. On les a, les anciennes places. Hein. Tu regardes à Nantes en R3 C2, tu regardes le favori, les anciennes places du favori, tu regardes l'arrivée, R3 C2, le favori chez PMU, on avait le 12, R3 C2, on avait les anciennes places du 12, on a 4, 6, 9, les anciennes places, et qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? Ah ben, on n'a rien du tout, là. Ça ne fait pas à chaque fois, mais... R3 C1, les anciennes places. Il y a le 2, bon. On a le 2, 4e. Bon. Bref. C'est pas mal quand même à regarder. Moi, ça me plaît bien, ça, à regarder ça. C'est du plat, c'est 2000 mètres, 13h58. Comment on fait 13h58, les gars? On a l'ancienne arrivée, 4, 5, 6, 3, 7. Quatre, cinq, six, trois, sept, six mots, quatre, neuf, onze, cinq. T'es parti où, six mots, là? Au quintet? On est le 26. 26, 02.
2022. Ah, je suis déstabilisé, les gars. 7 partants, c'est pris de King sur mer. King sur mer, on aime bien faire des suites de numéros quand même. Je crois que ça va être la journée, on va faire des suites. On a 2, 3, 4 à chercher. Ce matin, je te disais de faire attention à 6, 2, 4, 5, 10, 13. Ça faisait le trio à Nantes, mais j'étais parti sur un autre truc alors. Comment on va faire là? On va regarder les chevaux, on va regarder les chevaux sans s'échauffer pour voir lequel qui est remarqué pour commencer nos calculs. On va regarder les chevaux aussi, il y en a un qui ressort pour faire nos calculs. Là, s'il a l'air bien. Là, s'il a l'air bien. Si on prend là, s'il faut faire la cote de 1,3. On fait 5. On fait As-3 ou on fait As-6-2 As-3 ou As-6-2 On a la course d'avant, on a 6-3. On a 6-3 ou. Alors le 5. 5 moins 2 égale 3. On a 1,4, la cote du favori, on est 1,4. On fait 5 As. On fait As-6-2 ou 5 As. Ou As-3. As-5-2, As-6-2, As-5-2. As-6-5-2, ça arrive souvent cette formule As-6-5-2 en Super 4. Hein. J'aimerais regarder les chevaux, voir comment ils sont. Il y a 7 partants. C'est 2500 mètres, c'est une longue distance. Non, c'est 2000 mètres, c'est une longue distance pour du plat. Le prix de policeman à mer. On a A5-6-2 qui arrive assez souvent, ou alors on a A6-2-4. Si on prend A6-2-4, c'est les plus petites. Il peut tomber le 4, A6-2-4. As de charme, ça serait peut-être la surprise du 4. As de 4-5-6, As 4-5-6, A6-5-2, A6-2-4. Lequel? Lequel qu'on prend, les gars? Le 7, on va oublier là. R1C2, le 7, on oublie. Michael Forest, ok, mais c'est des 3 ans, ouais. Policeman, King sur mer. La course d'avant, on a 2, 3, 4, 7, 5. Avec là son favori pour faire 2, 3, 4, 7, 5 de la course d'avant. Ah non, c'est pas ça, putain. Chaque fois je me gourre. La course d'avant c'est 4, 5, 6, 3, 7. 4, 5, 6, 3, 7. Donc on a le 4 qui fait As-3 par exemple, ou alors As-5. Le 6, on a As-5 aussi. Avec le 3, comment on fait As-2? On fait 6-2. 6 divisé par 2 égale 3. On fait 5 moins 2.
Le 7, on a le 7 quand même, on a 5 et 2, 7, 6 et 1, 7. 5, 2, 6, As alors? 5, 2, 6, As? Il n'y aurait pas de surprise quoi. Il y a 2000 mètres, c'est chiant pour 5, 2, 6, As. Et puis prendre les favoris, parce qu'il y a 2000 mètres, ça serait peut-être une cote comme le 3 ou le 4 qui viendrait nous perturber, mais 5, 2, 6, As, 4, 5, 6, As? 4, 5, 6, As? 5, 2, 6, As ou 4, 5, 6, As? 5, 6, 4, As? As, 4, 5, 6? 4, 5, 6. On a 4, 5, 6 de la course d'avant, 4, 5, 6, et on a l'As, le favori, là. As, 4, 5, 6. Il y a 2000 mètres, hein, pourquoi pas? À 2000 mètres, As de charme le 4. Et enfin, tout en bas, le numéro 7, Freccia, liche entraînée par Simone Bondi, qui a remporté une course. On a le 5 ou le 2 alors. On a le 5 ou le 2. As 6 de 4 ou As 4, 5, 6. Ou As 6 de 4. Je suis toujours emmerdé avec ça. Le 5 ou le 2? Le 5 ou le 2? As 4, 5, 6 ou As 4, 2, 6? As 4, 2, 6 ou As 4, 5, 6? Lequel qu'on prend? Les codes du favori, on a As 3, 4, 7. On a As 6 qui font 7. On a 4 moins 1 qui font 3, on a le 4, As 4, As 4, 3, As 4, As 4, As 4, As 4, 6, As 4, 6, As 4, 6, 5, As 4, 6, 2, As 4, 6, 5. As 4, 6, 5, As 4, 6, 2. As 4, 6, 2, 5, mais lequel enlever? As 4, 6, 2, 5, lequel enlever? Entre le 2 et le 5, entre quoi? Là, s'il est pas mal, et mettre tout derrière. Là, si j'en mets, il y a 7 partants, si j'en mets 5, ça va me coûter un bras, ça. On a 4, 5, 6 de la course d'avant, on va reprendre 4, 5, 6 de la course d'avant. Et on prend l'As, As 4, 5, 6, bêtement en trio. R1, C2, As 4, 5, 6, bêtement en trio. La course d'avant, la course qui vient de se courir à Nantes. 4, 5, 6, 3, 7, on fait pareil, 4, 5, 6. On met le favori, As 4, 5, 6 en trio. As 2, 5, 6, As 2, sinon 5, 6, As 2. J'essaye le Super 4, les gars. Pas de surprise avec 5, 6, As 2, c'est possible. Mon rassurant, c'est 5, 6, As, mais je sais pas quoi mettre avec. Je crois qu'on va faire la suite par rapport à, en sautant le 7. 5, 6, As 2, 5, 6, 5, 6, As 2, ça veut dire quoi ça? Les autres cotes, ils sont vraiment au-dessus. Hein. C'est, ça beau être 2000 mètres. Quinque sur mer, ouais, je veux bien. Si c'est 2, 8, moins 1, 7, fait 7 partants. On a 1,5 à faire. Ouais, 6, 2, 6, 2, 5 As. 6, 2, 5 As.
C'est le 3 qui est pénible, le 3 ou le 4. Le 7, je l'évite, mais le 3 ou le 4, c'est pénible. Ou alors 5, 6, 7, 5, 6, 7 as. 5, 6, 7 as. Pour prendre 7 comme ça. Il y a 2000 mètres. Hein. C'est Michael Forêt sur le 7 quand même. Par contre, l'église, c'est tout à l'heure. Je suis dans votre ticket pour le duel. 5, 6, 7 as ou 6, 7, 6, 7 as 2 ? 6, 7 as 2 ? Putain, on va emmerder, on est emmerdé, les gars. Il y a 2000 mètres, c'est pour ça, 2000 mètres. Hein. Voilà l'évolution des codes pour voir si l'un des outsiders est un peu plus joué. Non, ça reste bien distinct. Il y a 4 chevaux en vue et les 4 autres sont délaissés. On a vu un instant ici. Je vous le mets quand même celui-là aussi. Je ne vais pas en mettre 50 tout le temps, mais bon, là, je suis un peu perdu. Là. Je fais ma deuxième course. Je prends du temps pour me chauffer à chaque fois, hein, les gars. Quand tu vas au travail, tu prends du temps pour te chauffer. Là, on n'est pas obligé de jouer. Hein. Je sens que c'est tendu sur un peu sur le portefeuille, mais on n'est pas obligé de jouer. Hein. Attends, Bernard, je regarderai tout à l'heure. Je regarderai tout à l'heure, Bernard. Alors, 6, 7, 5. 6, 7, 5 as, 7, 6, as, 2, 6, 7, 5 as. Peut-être le 7, en fait, il a une grosse cote, mais pourquoi pas. C'est Michael Fiorès dessus. Hein. Vu la distance. Il y a Maxime Guyon, Adrien Lemaître, Maxime Forest ou QM Jean-Claude Rouget ou alors Vermulen. Les Alvarez, Méon, et le 3-4, on va peut-être éviter alors. 3-4, on va peut-être éviter alors. 5-6-7 as 2, mais... 7-6-5 as ou 6-7 as 2 ? 7-6-5 as ou 6-7 as 2 ? J'en mets un autre, mais je crois que je le tiens, 5-6-7 as ou 6-7 as 2, mais je ne vais pas en mettre 50 non plus. Ah, je suis tendu en plus, j'ai envie de bien faire et puis j'ai l'impression de vous faire perdre du temps là. Des fois, tu tiens le bon prono et puis tu diffuses de la merde derrière. Ça te fait diffuser de la merde. Tu diffuses le premier prono, il est bon. Et puis, tu vas t'inventer des trucs. Je sais pas. On va attendre, il y a 2000 mètres. Hein. Elles sont pas faciles ces courses-là, 2000 mètres en plat, 7 partants. Il faudrait qu'il y ait un temps dégueulasse, ça serait plus crédible pour 7 partants des 2000 mètres en plat, à Quinque-sur-Mer en plus. Je comptais sur l'As, hein, faire quelque chose. Là, c'est tout derrière. Allez, mon pépère. Ouais, t'es crédible ou pas? T'es crédible? Vas-y, mon pépère. Il va faire la tête. L'As. Là, c'est tout derrière. Avec les deux favoris qui sont expliqués, on a longtemps cru hein, que Western Front allait être capable de repousser l'attaque du
RAC2, AS5-2, trio. Troisième place, on retrait ces deux-là pour le numéro 2, Solid Spirit. Et la quatrième place, elle revient au numéro 4, AS5-2 et 4, Marinachik. Donc, ne déçoit pas, il était le grandissime favori. Ça fait 4 victoires pour lui en 7 sorties. Et donc, il remporte une nouvelle classe 1. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a un couplet gagnant, là. Il y a coupé placé, 6-7 AS2, mais... Il a été de l'avant et il va être très court. 6-5-2, il y avait le trio, mais je voulais enlever 6-5-2-4, je voulais en enlever un, et puis j'ai enlevé le mauvais. Et puis, putain, A6-5-4-2, je voulais en enlever un, je t'ai dit au départ, A6-5-4-2, je voulais en enlever un, je suis parti sur des théories à la con. Là. Was the Charm, putain de merde. Ouais, bon. C'est pas excusable. Hein. Tu fais 36 tickets comme ça, t'as pas de bénéfice. Hein. Faut pas faire 36 tickets, les gars. Tu peux faire 36 tickets, bon, ok, mais si t'en fais des différents, forcément, t'en auras des mauvais, quoi. Bon, est-ce qu'on va réussir à se poser, là? On va garder un peu notre calme. C'était 6-5-2, c'était quoi mes références A5-2, A6-2? J'en ai dit tellement là. A5-6-2, c'était mes références, mais rajouter quoi avec? Ce serait qui l'intéressant? Fait chier, hein. Ça fait chier. Hein. A6-2-4, ça arrive souvent. Hein. Quand je te donne les numéros de la journée, là, A6-2-4 avec le 5-10-13, on avait le multi, mais si tu mets tous ces numéros-là, bah, tu mets pas le 10, le 13, le 15, mais... Tu mets à 6, 2, 4, 5, mais je me suis tordu je me suis tordu la tête là. Mais je te demande pas de me suivre à la lettre, hein. Je suis en train de t'expliquer un petit peu comment je recherche. Je t'envoie un prono pour voir si ça. Je t'envoie un prono en commentaire pour voir si c'est crédible ma recherche, comme ça laisserait une trace. Mais je te demande pas de jouer comme ça, hein. Je te demande pas de me suivre comme un toutou. Hein. On a la course d'avant là. À 5, 2, 4, 6. On a le 4 en favori. Donc faut qu'on fasse 14, faut qu'on fasse 15 et faut qu'on fasse 13. Avec des calculs. Il y a 16 partants. Après, quand on aura une combinaison, on va regarder si ça tient le coup avec le nom des chevaux, l'écurie, tout ça. L'hippodrome, la distance. C'est à Nantes, hein. Nantes, 3000 mètres à Nantes. Hein. Attention, 3000 mètres à Nantes pour de l'athlée. Il y avait 11 partants à Nantes tout à l'heure. Il y avait 14 partants, il tombe le 14. Il y avait 13 partants, il tombe le 13. La course qui vient de se courir, on a 5, 2, 4, 6. Il faut faire 13, 14, 5. On va regarder le favori. Le 4, avec qui il est. Le 4, on a l'ancienne place du 4, on a l'As. Il y a des belles cotes. Hein. Ah, je vais regarder sur la télé, je préfère. On a 2,7 la cote du favori. Lors de départ de tout à l'heure, 13h58, il y avait à faire R1C2, il y avait 13h58 à faire. On a 5 et 4, 9, moins 1, 8. On a le 8, on a le 5. On a AS2 qui font 3. 4 x 3, 12.
et un 13. Ou là c'est le 3, comment on fait là c'est le 3, on fait 2 et 1, 3, on fait 5 moins 2, 3. 2 moins 1 égale 1, 5 moins 2, 3. On a 13h58 à course d'avant. Mais des 1 plus 1 et des 2 plus 2, il n'y a pas qu'un calcul pour faire 1 plus 1 et 2 plus 2. Il n'y a pas qu'un seul calcul pour faire ça. Il y a plusieurs calculs pour faire 1 plus 1 et 2 plus 2. Peut-être qu'on ne t'apprend qu'une seule façon de faire. Ou alors c'est toi qui veux apprendre qu'une seule façon d'obtenir 1 plus 1 et 2 sur 2. On t'apprend à l'école, ok, mais c'est toi qui enregistres. Est-ce que tu enregistres 1 plus 1 égale 2 en une seule opération ou il est possible de l'avoir en plusieurs opérations, 1 plus 1 ou 2 plus 2? Alors, on peut l'avoir en milliers d'opérations, 1 plus 1 et 2 plus 2. On a le 4, le favori, là. Il faut qu'on fasse 14, 15, 13. On a la course d'avant, on a 5, 2, 4, 6. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a la cote du favori, il est monté à 2,8. Comment on peut faire là? On va pas trop regarder tout ça, les noms des chevaux, tout ça, on va faire par calcul. Là. On a la course d'avant, on a le 5. Pourquoi pas reprendre le 5? On a le 4 aussi, on a le 4. Bon, on va prendre le 4 pour faire le calcul. Il faut faire 16 par temps. 16 par temps, avec le 4, on fait 4 fois 4, 16. On peut prendre le 13 aussi. Le 13 qui va remplir le 2 de la course d'avant. 3 moins 1. 3 moins 1 du 13, on peut reprendre le 2. On a le 12. Sinon, 2 moins 1. Alors, ça nous ferait reprendre l'as de la course d'avant. 4-12. 4-12 ou 4-13. Il faut qu'on égale avec le 4. On met une dizaine devant 14. Il faut qu'on égale 13 et 15. On fait 4-13, alors 4-13. Avec 4-13, comment on égale on a le 13. Avec le 4-13-12, 4-13-12. 4-13-12, on a 2 moins 1. Plus là, ça fait 14. On a 13-14. Il faudrait faire, on a le 15 aussi. Ouais, on a le 15. Attends. 2 moins 1 égale 1. 14. 3 moins 1 égale 2, 2 fois 4, 8. 20, faudrait qu'on fasse le 5 alors. 4, 13, 12, 5. 4, 13, 12, 5. Il y a 16 partants. 4 fois 4, 4 fois 4, 16. 12 et 5, 17. C'était un 8, 8 fois 2, 16. C'est pas mal. Comment on fait 16 partants? On fait 4 fois 4, 16. On fait 8 fois 2, 16. Donc on fait 4, 13, 12, 5, ça nous fait faire 3 et 1, 4 du 13, fois 4, ça fait 16. Et 5, 12, ça fait 5 et 12, ça fait 5 et 12, ça fait 17, 7 et 1, 8. Le 13, ça fait 3 moins 1, 2, 8 et 2, 16. 4 fois 4, 16, 8 et 2, 16. 4, 13, 12, 5. Après, de la course d'avant, on a 4, 5 de la course d'avant. 4, 5 de la course d'avant. On a 13, 3 moins 1. 3 moins 1 qui fait 2, on a 2 encore, on a 4, 5, 2 de la course d'avant, il y a 12 qui fait 2 moins 1, on a l'as, as 4, 5, 2 de la course d'avant. Les pénibles, c'est le 6 et le 9, les pénibles. Ou alors, ce matin, je te parlais du 5, 10, 13, tout ça, là. Là, on mettait le... Ouais, c'est effectivement avec le 13, le 5, le 4, le 12, avec le 13 et le 12, il vient souvent le 10, le 3 ou l'as. Avec le 12, il vient souvent... Le 2 ou l'as et le 10. Là, on a 12 en favori. Là, ça change. Les calculs changent. On a 12 en favori. Les calculs changent, les gars. On a 12 en favori. À 2,8. Ah, c'est chiant. Hein. Les calculs, ça appartient à un temps précis. Les calculs appartiennent à un temps précis. Si tu vas changer un sujet, ton sujet... Le 4 appartient à un temps, le 12 appartient à un autre temps. Si tu fais tes calculs avec le 4, 2 minutes après, si le 12, faut que tu partes avec le 12 tes calculs, ça n'a rien à voir. Merci Simo, merci. Alors si on fait le 12, bah, le 12 on l'avait déjà dans notre calcul, mais bon,
Donc on fait 2 et 1, 3, donc il faudrait faire 8 fois 2, 16. On fait 12, 13, ou 12, 13, ou 12, on peut prendre le 2 quoi, ou quoi? Sinon comment on fait 2? Comment on fait 12 et comment on fait 13 et 2 sinon? On fait 10, le 12 est favori maintenant, donc il faut qu'on égale, qu'on égale 12, 13 et 11. Tu vois? Tout à l'heure avec le 4 en favori, il fallait qu'on égale 13, 14 et 15. Avec le 12 en favori, il faut qu'on égale 12, 11 et 13. Là, 2 moins 1 égale 1. 1 plus 10, 10, 10, 12. 10, 12, 10, 12, 13. 10, 12, 3. Avec des codes comme ça, c'est de la charrette, on peut prendre le 3 ou l'as. Hein. Avec des codes comme ça, ça serait marrant, le 3 ou l'as en simple placé ou le 5. Le 3 ou l'as ou le 5 en simple placé, là. On va regarder qui c'est, là. Ça va être un peu plus sensible. Salut, Mourad. Voilà, 3, c'est 4, ça arrive, mais attends. Je suis dans mes calculs, là. Il y a Raffin avec l'as. L'as, on l'a de la course d'avant. R1, C2. Le 5, on l'a de la course d'avant. Sinon, on a le 4. Iago Desmoulins. Avec Jean-Paul Marmion. C'est quelque chose, les marmions. Il est col des chenus, c'est une écurie, les deux chenus. 4 fois 3, 12, on aurait le 12. On a 4, 3, 12, 10. Alors 4, 3, 12, 10. 4, 3, 12, 4, 3, 12, 13. 4, 3, 12, 14. C'est ici, alors. 4, 3, 12, 13. 4, 3, 12, 14. 4-3-12, vu la distance, c'est 3000 mètres, on peut peut-être mettre 4-3-12, hein. 4-3-12. On va mettre des belles cotes comme le 3 et l'As, 4-3-12, on met la plus petite aussi, le 4 et le 12. 4-3-12, ouais, c'est celui-là, je le tiens là. R3-C4, 4-3. 4-3-As. On fait 4, 3, As, 12. On va prendre celui-là. En 2 sur 4. Peut-être coupé et placé. 4, 3, As, 12. 4, 3, As, 13. 4, 3, 12. Et tu vois, là, j'ai oublié mes calculs. Là. Ça m'est venu comme ça, mais je sais que ces combinaisons-là arrivent ensemble. Salut, Memouna. Salut, Memouna. Je verrai tout à l'heure, R1, C4. Je verrai tout à l'heure. Je fais... Je fais course par course. 4, 7, 11, As, Simo. 4, 7, 11, As à Nantes. R3, C4. Le trio, il fait combien de la course d'avant? C'est dommage. J'en donnais 50 000, c'est dommage. Le 6, il vient. Le 6, le redoutable. Le 6 ou le 9, les redoutables. On les voit partout à belle cote. C'est les mieux payés à simple placé, simple gagnant le 25 du mois. Le 6-9, je me répète. 6-9, le 25 du mois. Ils sont agréables à jouer. En simple gagnant, sinon, la plupart du temps, toute l'année, ils sont bons à jouer en simple placé. Vraiment les gratifiants, ceux-là. Faut pas les jouer trop fort, faut qu'ils soient bien montés, faut qu'ils aient un bon entourage, une bonne écurie, faut qu'ils soient, mais s'ils sont même à 20, 30 contre 1, 40 contre 1, ils sont jouables. Hein. Là, c'est l'emmerdant. Là, il est à 6 euros. Il est à 46 euros, là. Il serait possible. Hein. Il y a des cotes à 40, à 123, à 81. Truc de fou. On a 16 aussi qui fait 4 fois 4, 16. On a 8 fois 2, 16. Ou alors on a AC6 qui font 16. 6 et 10. Tu vois ce que je veux dire? Là, on avait... As-2-14, Simou, As-2-14. R1-C4, As-2-14 pour Simou. Ah, je regarderai tout à l'heure le quintet. J'aime bien regarder aussi à 3 minutes, à 3 minutes de départ des courses, j'aime bien regarder ce qui ressort le plus dans les cotations là, de la chaîne Equidia, la chaîne de PMU, là. La chaîne que tu retrouves dans tous les bars PMU. Là. À 3 minutes de départ, tu as des numéros qui ressortent
Par exemple, tu as le 3 ou 4 ou le 2 ou d'autres chiffres qui vont ressortir à 3 minutes du départ de la course. Et généralement, pour faire tes calculs, ils sont pas mal à prendre. Pour ça que j'aime bien attendre 3 minutes, mais là, je me perds à regarder un peu partout. Là, je suis un peu emmerdé, là. Il faut que tu te bases sur des chevaux que tu as déjà, des numéros ou des chevaux que tu as déjà vérifiés pour faire tes calculs, pour partir dans tes calculs. Et là, je suis un peu brouillon, là, je suis un peu. Ah, mais intéressant, là, vu la complexité, là, le 4, il repasse favori, là. Vu la complexité de course que c'est, mais intéressant, ça serait As-3-4, As-3 en simple placé. On peut faire As-3-4-5, hein. 5 moins 1, 4, 4 fois 4, 16. C'est quoi? C'est 5 fois 2, 10. Ouais, bon, vu les codes qu'il y a, on verra. Devant, c'est bien. Ils sont bons devant, ils sont équipés, hein, les chevaux devant, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont équipés. Hein. Guyon sur l'As, Develay sur le 3, Cractus sur le 4. Et Turritillier, là, j'ai Turritillier, là. Ah, attends, c'est quoi ce truc-là? On a 14h33 aussi à faire, hein, l'heure de départ, 14h33. Non, c'est pas celui-là, c'est quoi? Je suis où, là? Non, on est à Nantes, là. Ah, je suis con, là, je suis content. 14h21, je me perds dans les courses, en plus. On a 14h21 à faire. 14h, ça part à quelle heure? 14h... Ça part à 14h20, 14h25, 14h22, 23. Faudrait faire 14h23, faudrait faire l'As, le 4, le 2 et le 3. Enfin, par des calculs. Comment tu fais l'As, le 4, le 2 et le 3 par des calculs? On a peut-être 12, 13, 4, 12, 13, 4. 14h, 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 14h20. 14h22, 14h23, on fait As-4, As-4, 13, 22, 23, 10, 12, on fait 10, 12, 10, 13, 4, 10, 12, 4, 10, 13, 4, 10, 12, 4, 10, 12 et plus 1, moins 1 quelque part, 4, 10, 12, 11, 4, 10, 12, 3, 4, 10, 12, 13, avec l'heure, 14h23. Ouais, il y a 50 000 formules que tu peux. Enfin, il y a 50 000 combinaisons que tu peux retrouver avec des calculs, des théories. Donc après, c'est à toi de regarder laquelle combinaison qui est la bonne. Généralement, sur mes pages, hein, j'ai déjà des combinaisons déjà de préenregistrées sur mes pages. Hein. C'est pas le poste de ce matin. Hein. Sur mes pages, j'ai des combinaisons d'enregistrées. Hein. Faut les regarder. Voilà, va sûrement y avoir des fautes, c'est pour ça que je visais un petit peu devant là. Bon, quand est-ce que je vais réussir à mettre en place là? Hier, j'ai fait 4-5 courses sans rien. Je fais un trio à 50 euros et après, je m'en vais. J'aimerais me chauffer un peu plus tôt quand même. J'ai l'impression de partir dans tous les sens. Hein. Salut Ahmad. Attends, on va regarder. On va regarder celle-là, attends. Quand t'es parti dans un move, merci les amis, quand t'es parti dans un move, après, t'es bien, mais bon, quand tu commences à en donner 50 000, c'est pas la peine. Là, c'est disqualifié. Merci les amis. Merci, merci. C'est le 15 quart du vent, hein, qui est vu très vite dans la ligne en face et non pas le 13. Impact Ludo, Impact Ludo est en train de se rapprocher à son tour et va à son tour. As-5-10-2 par terre. As-5-10-2 par terre. Merci les amis. Merci, merci. Merci, merci les amis.
Courtois qui commet une grosse faute. Quand Thiago termine, il essaie de quitter l'arrière-garde. Le 13, il est à HS. Putain, ah oui, c'est... Ah non, Turmer, ça prend des gamelles alors. C'est ça le hic. C'est à Nantes, avec la distance, ça prend des gamelles avec de l'athlé. Ça fait des fautes. Merci les amis, merci. Merci Ahmad. Ah. Il avait fait une faute, le 13, il revient. C'est bon, il est positif. Il peut repartir. Ah non, t'as été disqualifié ou pas, le 13? Ah, être disqualifié, bon. Il y a 5 disqualifiés. Il se rapproche à grande battue à l'extérieur. Lidar en tête pour aborder la ligne en face. Diego Damlin qui poursuit son effort, qui se rapproche. Icard Duvant qui est toujours à la corde. Zéo Prior qui est au centre. Plus loin, il y a Hugo de Chenu avec également toujours à la corde le numéro 6, Imperial Jeff. La ligne d'en face avec Diego Damlin qui fait le forcing sur Lidar et sur Zéo Prior suivi par Icard Duvant. Par également Ignéo Duboulet devant le numéro 3. C'est des 4 ans, 7 ans, 8 ans. Non, mais c'est quoi celui-là? Ah, le 4 est disqualifié. Là, c'est disqualifié. Il ne me reste plus grand-chose. Hein. À 5, 10, 2, 13, 4, disqualifié. À 5, 10, 2, 13, 4. Le 12, c'était le favori. Putain de merde. Non, 12-11. 12-16. Ça fait mal. Tu vas arrêter avec l'ardois et je vais me poser parce que là je pars en vrille. Je vais me concentrer sur les trucs parce que... Putain de merde. L'heure de départ, R3C4, 14h15. On a 15, hein. On a 14h, hein. On a 15. Là, on a l'heure de départ. R1C3, 14h35. Comment on fait l'as, le 4, le 3, le 5? 13 partants. 2500 mètres, 13 partants. Comment on fait l'as, le 4, le 3, le 5? Ah, je suis emmerdé, putain, fais chier. Vu la distance que c'est, à Quinque-sur-Mer, 2500 mètres à Quinque-sur-Mer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas y arriver ce matin, qu'est-ce que c'est que ça là? Un handicap le 1er février, c'était un peu l'info qu'on avait eu
Je dois louper un truc dans dans mes calculs, je dois louper un truc, c'est pas possible. C'est des longues distances, c'est chiant les longues distances, mais c'est toujours pareil. Les longues distances, c'est chiant. On trouve jamais. Le 12 favori, il fallait qu'on égale 11 et 13. Putain de merde. C'était simple, hein. Là, en plus, on est dans la période de transition été-hiver, hiver-été, là. Hiver-été, là, on est dans la période de transition hiver-été, là. La bonne ligne droite à l'extérieur de Lost Control qui voilà, terminait son parcours en avançant. Sachez que c'est un cheval qui a déjà couru sur 2500 mètres et qui avait été une très jolie note sur les courbes de Nancy à la fin de l'année dernière. Donc, je pense que l'allongement à la distance ne devrait pas être un souci. J'ai bien aimé Totem ce jour-là également, Vincent, parce que le cheval a été contraint de voyager en épaisseur. Au-delà du fait qu'il ait voyagé en dehors, il a démarré le premier assez loin de l'arrivée et je trouve qu'il n'a pas totalement cédé pour finir. T'as l'application PMU. Hein. T'as l'application PMI. Attends, comment on fait? L'application PMU là. L'application PMU là sur mobile là. T'as les pronostics. Tu vas là, t'as les pronostics. On est d'accord. Mais tu vas là. Les pronostics, ils sont plus précis là. Pronostic du jour. Ça va t'orienter là-dessus. Pronostic du jour. Regarde, prix de Paris-Longchamp. Le pronostic de PMU, il donnait pas mal de multi encore ce matin. La transition été-hiver, hiver-été, il faut aller sur ce pronostic. Sur ce le truc en haut là. Le reste de l'année, tu fais ta recherche toi-même, mais la transition hiver-été, été-hiver, les pronostics de PMU sont franchement, il faut vraiment bien regarder parce qu'ils sont pas mal. Hein. Ça fait pas mal de multi, pas mal de trio. Après, il suffit que je parle de ça et puis ça va se planter, mais... Regarde, pour R1-C3, là, R1-C3, on nous propose 12-9-2-As-3. 12-9-2-As-3. On va faire des calculs avec ça pour voir la course d'avant là. La course d'avant, on a 12. On a le 11, le 15. On a le 16, le 14. Là, le pronostic de PMU nous donne 12, 9, 2, As, 3. Le 3, on peut se le reprendre en 12 aussi. On peut se le reprendre en 14. L'As, on peut se le prendre en 12 aussi. Le 2, on peut se le prendre en 13. Ou alors, le 3, on peut se le prendre aussi en 9-6 aussi. De la course d'avant, on a 15 qui peuvent. On peut prendre le 6 de la course d'avant ou le 6, c'est quoi là? Il y a des belles cotes. Hein. On va regarder le 6, c'est ce que c'est celui-là. Amour d'argent. C'est ça, Amour d'argent, celui-là, le 6, là, R1-C3. Vu la distance, 2500 mètres. C'est bien cette course-là, ouais, Cagnes-sur-Mer. R1-C3, 2500 mètres. Amour d'argent, il est marrant, celui-là, Vermulen. Le 9-6-9. On a le 9 proposé par PMU. Pour faire 13, il faudrait faire 4, sinon 4. On va regarder le 4, c'est ce que c'est là. Le 4 ou le 6. Sinon, comment on retrouve 4 et 6? On a l'As, le favori ici aussi.
Il y a même un Jardal numéro 2, je sais que Guillaume l'aime bien. Peut-être me dire pourquoi. Parce que le premier, on était très loin, il avait fait un excellent dernier tour de piste. 13 partants, ça nous fait quoi là? 6 et 7, 13. 8 et 5. On fait 6, 7, 8, 5, on fait quoi? On a le 9 en favori, on a l'As. Ah les gars, je vais y arriver, je vais en sortir un quand même. Ah, c'était quoi mon calcul là? Kazakh Société, je le reprécise pour le favori, c'est important, ne cherchez pas la Kazakh de Kashmadi, c'est la Kazakh de l'Hippodrome, le ciel en jaune. Elle est ouverte, cette compétition. Alors, on va pas l'avoir, les gars, on va pas l'avoir. As 9-10. As 9-10, quoi? Go fast, Zarinka, Half of the Magic là? As 9-10? As 9-10, 12, As 9-10, 3. On avait le pronostic de PMU, hein. 12-9-2-3, ça. 12-9-2-3, c'est le pronostic de PMU, là. Où est-ce que je t'ai montré? Des fois, t'as pas besoin de te casser le cul, c'est entre la transition été-hiver et hiver-été. Regardez les pronostics de PMU. Là où je t'ai montré, t'as vu le petit lien sur l'application, là? Et moi, il faut que je vérifie 50 000 fois avant de poser un truc. Et ce matin, je suis un peu perdu, là. Je suis dans tous les sens. En plus, vous êtes plus nombreux que d'habitude. Je suis un peu emmerdé, là. Ça me met du trac, ouais, c'était ça, As 2, 11, 9, ça me plaisait bien, si mou. Il y a 10, 11, As 2 qui arrivent souvent, il fallait que je place le 9, je partais avec le 9. 9, 10, 11, As 2, 10, 11, As 3, Ah puis j'aime bien être dans le calme pour donner mon prono là. Heureusement que vous défilez pas les messages non plus comme des fous parce que j'aurais pas le temps de lire. Je serais comme un con là. Il y avait 13 partants, sinon 13 partants c'est 8 et 5, 13 ou 6 et 7, 13. L'autre possibilité, sinon on avait la possibilité 9, 10, 11, 9, 10, 11, As, 9, 10, 11, 12, As, 9, 10, 11, 12, As 2. 8 et 5, 13 ou 7 et 6, 13, 6 et 7, 13. C'était le 9 le favori qui était déstabilisant. On ne va même pas les numéros, rien du tout. Bon. L'As 12. 12, As 9, 10. As 9, 12, t'as vu mon truc? Je l'ai pas posé, mais... Je l'ai pas posé en commentaire, mais t'es pas mal, As 9, 12. C'est par des calculs, hein. Tu vois, c'est rentré là. Mais ça va pas payer, il n'y a rien. On a trois numéros, mais on n'aura rien. On n'aura rien là. Il y avait 13 partants. Qu'est-ce que proposait PMU, les amis? PMU proposait 12-9-2-As-3. PMU proposait 12-9-2-As-3.
Regarde, on a fait un trio. Faudrait... Tu regardes pour notre PMU, t'en enlèves un ou tu fais par rapport à l'arrivée qui venait de se courir là. L'arrivée qui venait de se courir à Nantes. Tu faisais le calcul aussi. Ou avec le nombre de partants, 13 partants, tu fais un calcul. Hein. On a le quintet là. Bon, je ne l'ai pas posé en commentaire, mais je vais mettre un petit truc, ça va m'encourager. Mettre un petit coup de champagne, un petit coup de mousseux, les gars. T'en prendras bien une petite goutte, non? Voilà, mal au doigt, ça fait mal au doigt, ça. Non, pas trop, moi je suis pas trop en grande forme. Allez, après on va où là? À Nantes, R3C5. À Nantes, attention les gamelles à Nantes. Ça gamelle pas mal à Nantes. Ça gamelle pas mal à Nantes. Ça gamelle pas mal. R3C4 à Nantes. Il faut que je retrouve le rythme de la journée. Ça fait quelques courses qu'on se prend des tôles. R3C4. Le 12, il a gagné. Ça fait un 2 sur 4 de folie. Hein. R3C4, hein, mais on n'a rien du tout. Il y avait 12-11 qui me plaisait. J'avais la formule 12-11. En 2 sur 4, ça aurait fait combien ça? Putain, 92 balles. Ouais, il aurait été bon celui-là. Et mon 15 de ce matin qui me plaisait bien. Il vient à belle cote là, il carte du vent. 5, 10, 13 ce matin, 5, 10, 13 à Nantes, c'est pas mal. Le 13, il vient gagner R3C1. C'était le favori. R3C2, on a le 5 qui est 5, 10, 13, 15. On a le 5 qui est 5e. R3C3, le 5 est 2e. Il y a le 4 devant. 4, 5, il vaut rien, le 5, le 15, il vaut cher, R3, C4. Bon, il y a des belles cotes à Nantes ou pas, là? R3, C3, c'est ça que je voulais regarder, R3, C3. Non, ça valait rien, R3, C3. Il y a la 3e et 4e place qui sont pas mal, R3, C3. R3, C2, la course qui venait ce matin, ça valait quoi? C'est pas mal, bon, c'est pas... R3, C1, c'était quoi comme valeur? Ouais, bon. À R3C5, on a quoi? Une grosse valeur ou une petite valeur à Nantes? La course. On a 16 partants, 3000 mètres. Hein. On est plus susceptible d'avoir des gros coups. Hein. Un gros coup. Hein. À 16 partants. Soit on va prendre devant, soit on va prendre derrière, comme on a pris tout à l'heure. On a 12 favoris encore. Ou alors sinon, on a l'autre favori, c'est quoi? Non, on va prendre le 12. La course d'avant, on a quoi? As 9, 12, 5, 3. On va prendre. Il y avait PMU qui donnait le trio R1, C3 de la course d'avant. On va regarder PMU là, pour R3, C5. Ouais, R3, C4, PMU donnait le 12. R3, C3, PMU donné 4-5. R3, C2, PMU donné le 2-12. Après, par des calculs, R3, C1. R3, C1, le PMU donnait le multi, là. R3, C1. R3, C1, le multi, combien il faisait? C'est marrant de regarder ça. R3, C1, le multi, il faisait combien? Bon, après, il fallait enlever un ou deux chevals du prono de PMU pour avoir des meilleurs rapports, mais bon, il fait 100 euros, mais bon. À Nantes, pardon, à Nantes. Le pronostic de PMU à Nantes, c'est 12, 13, 15, 7, 5.
service pour ce Dumont. Il y a certainement les moyens de bien faire. 12, 13, 15, 7, 5. Le pronostic de R3, C5. Pronostic de PMU. 12, 13, 15, 7, 5. Pronostic de PMU. On va essayer de vérifier ça. On a l'arrivée d'avant, on a As 9, 12, 5, As 9, 12, 5, 3. Le 12 en favori, il faudrait qu'on fasse 12, 13 et 11. Le 15 de la course d'avant, on se prend combien en 6 ou quoi? Vu les complexités de course que c'est, on peut prendre du 6 ou 9 là. On va regarder 6 ou 9, est-ce que c'est R1, C3, le 6 ou 9, tu vois, le 9 il est venu, R1, C3. R3, C5. Le 6 ou 9, c'est qui? Le 16 partant. Généralement, des styles de course comme ça, à Nantes, on est préféré plus d'un 14-15 As-2, 14-15 As-2-3, 14-15 As-2-4, 13-14-15 As. C'est pas mal à Nantes, ça. 13-14-15 As. R3-C5, 16 partant. Sorties, 13, 14, 15, As. 13, 14, 15, 16. 13, 14, 12, 13, 14, 15. Julien Zenzag est avec moi. Bonjour Julien. Ulpi fait une rentrée. Elle a montré des choses intéressantes l'année dernière. Quel est son degré de forme et vous en attendez quoi? En fin d'année, c'était pas 16 partant, 4 fois 4, 16. Oli Madrid, 5 moins 1, 4. 3 et 1, 4 du 13. Le scénario idéal pour elle, c'est quoi? C'est 15, 14, 12, 15, 13, 12, c'est quoi? 15, 14, 12, 15, 13, 12. Donc physiquement, elle est bien, elle est dans sa catégorie. Oui, vous l'avez vu passer, elle est belle, elle est prête, pas grand chose à dire sur elle. Maintenant, il faut qu'elle fasse sa course. Ah, le 8 et elle a 13 euros. Si elle est dans un très bon jour, c'est une longue distance, hein. 3000 mètres. 8 fois 2, 16, sinon avec le 8, hein, 8 et 13, 8, 13, 12. Sinon, il nous parle du 8 qu'il est pas mal. Il y a avec Rochard. Ouais, c'est des 5 ans. La course d'avant, on a 12. 12, 11, 15. 12, 11, 15. La course d'avant. 12, 11, 15. Non, attends, putain. 12, 13, 15, 7, 5, la course d'avant. 12, 13, 15, 7, 5. Oui, mais elle est bien. La dernière fois, c'était pas mal en retrait pour le 15 d'Oli Madrid. Mais oui, mais Baudouin. Non. As 9, 12, 5, 3, c'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. Ah, ça, c'est le pronom de PMU. 12, 13, 15, 7, 5, le pronom de PMU. Et la course d'avant, on a As 9, 12, 5, 3. Et là, on a 12 en favori. On peut faire le 3 ou l'As avec le 12. Donc on aurait le 3, l'As et le 12. Le 9, comment on fait ça, le 9? Le 9, on fait, 6 et 3. 6, 12, 6, 12, 3. 6, 12, 6, 12, 3, le 9. 6, 12, 3. D'accord, ok. Donc il risque de partir vite. Ça va être chiant, ça va être chiant, les gars. 4 x 4, 16. 8 x 2, 16. On a une cote à 3,5. On a l'heure de départ, l'heure de départ. Ça part à quelle heure, là, R3, C5? 14h50. Et un 4, 3, 12, 3, 12 ou 3 As, 12, 12 As ou 12. On va reprendre 12 As ou on prend quoi de la course d'avant là? 12, 9,
Pourquoi 12-9? 12 As ou 3 As ou 12 As? Non. On va passer sous les ordres pour prendre le départ de cette course de 3000 mètres. Oh les gars, je suis perturbé. Favorite qui se situe pour les trois favorites hein, au deuxième échelon. Je vous ai dit Tiral, le 13 à la Brioire dans la côte de BC. Et le 15 de Madrid. On va mettre mes numéros de ce matin. Hein. Le 5, le 15. 5, 12, 15, As. 5, 12, 15, As. 5, 12, 15, As. R3, C5. J'ai pas le temps de le poster, les gars. 5, 12, 15, As. Je vais le mettre quand même. Je sais pas si ça va y avoir un faux départ. Je parle de 2 sur 4, hein. 5, 12, 15, As. Désolé les gars, putain, je prends trop de temps. Il y a des fautes déjà. Ça poste pas, en plus mon message il poste pas là. Je poste des messages et il marche pas non plus, ça marche pas. Nouvelle faute d'Ali Julino qui perd cette fois toute chance car son dégât n'arrive pas à remettre au trou. Ali Julino qui disparaît sur faute le premier tournant avec un avantage assez net pour l'Imoudouel qui est détaché du côté. C'est pas du tout cuit, hein, tu vois bien, c'est pas du tout cuit. Hein. Il y a des journées plus faciles que ça. À la fin du mois, c'est toujours casse-pied, quoi. Pour être poli, quoi. Bien remarque que Audi Madrid est pour l'instant au trot. On remarque également que l'une des favorites, Anna Brioire, est en train de refaire du terrain et est en train d'établir la jonction. Alors que Hegda, je me concentrerai sur un 6 de 4 ou 5, 10, 13, 15 hein, de ce matin. Je me concentrerai là-dessus à prendre un ou deux numéros parmi ceux-là. Là. Et puis faire mes calculs, mais j'ai envie de faire autrement. Je fais des conneries. Ça fait une heure et demie que je suis en live, je commence à craquer là. Pour l'instant patiente. À sortir du tournant, a un peu bloqué la course. Il est possible que certains drivers en profitent pour se rapprocher. Hollywood Well a l'avantage en deuxième position d'Yaoui DMT avec le numéro 7, Elfie Chantin. Elfie Chantin qui est au centre donc, précédant l'incipit du vivier. Et puis également à la corde le numéro 5 à Puna Beach. Merci les gars, vous êtes. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par la vidéo, merci à vous. Hein. En une heure de live, 4000 personnes de touchées. Merci les amis. Il y a des journées plus faciles quand même. La fin du mois là, c'est. Et puis là, la période de transition, hiver-été. Les pronostics de PMU sont pas mal. Pronostic de PMU nous proposait quoi le pronostic de PMU? 12-13-5-7-5. 12-13-5-7-5 nous proposait PMU. J'ai posté un message 12-5-15-As, mais il n'avait pas été marqué. Je l'ai mis à la fin, mais il n'y a rien du tout. On va attendre, mais. Tu balances des trucs ce matin, je dis je vais faire une vidéo, je vais développer de la merde, ben, je développe de la merde, mais au moins je vous montre mes calculs, comment je fais, comment c'est possible. Et oui, c'est possible de faire de la merde, c'est possible de gagner des grosses sommes, c'est possible de faire de la merde aussi. P
PMU nous proposait 12, 13, 15, 7, 5. Qu'est-ce qui tombe? 15, 13. 13, 15 hein, devant. 15, 13. Le 2, j'ai pas choisi le bon entre le 2 et l'As. 15, 15, 10. C'était quoi mon pronom? 15, 10, 12, As. De 13, 15, 6, 2. Nous proposer PMU. 12, 13, 15, 7, 5. 13, 15, hein, c'est pas mal. Hein. Moi, je proposais, je sais plus quoi, là. Qu'est-ce que je proposais, moi? J'ai même plus, les gars, putain. Je t'avais dit quoi au départ à 16 partant, le 16 il était un peu riche, je t'avais dit quoi 12, 13, 14, 15, je sais plus quoi là. Je vais pas réussir à me poser, c'est compliqué ce matin, c'est compliqué. Je fais le quintet, là j'essaie le quintet puis j'arrête. Je vais pas diffuser de la merde. Mais mes calculs généralement ils sont bons. Et il y a des journées plus favorables que d'autres pour parier. T'as des courses ou des journées plus favorables que d'autres pour parier. Et là, les courses à longue distance, tout ça, là, laisse tomber, c'est un peu chiant. C'est injouable, ça, c'est injouable. Les longues distances, la charrette. Les longues distances en plat, c'est quelque chose, mais après, avec la charrette et tout, c'est encore pire. Après, quand je regarde la vidéo, je dis, bah merde, c'est vrai, j'ai donné l'arrivée. Mais j'ai posé autre chose. J'avais du formulaire. Je la donne la formule d'arrivée, je les donne les numéros, mais j'arrive pas à les rassembler, à les mettre ensemble. J'essaie par des calculs de faire trois fois le nombre de partants, ou alors faire l'heure de départ. Là, l'heure de départ de Nantes, là, R3C5, c'était quoi l'heure de départ? On avait 14h50, l'heure de départ. Donc faut qu'on fasse l'As, le 4, le 5. Le 4, on se le fait en 13, 3 et 1, 4. Après, quand on a le 4 pour faire l'As et le 5. On fait quoi? 3 et 1, 4 ou 3 moins 1, 2. Bon, enfin bref. 6 moins 2, ça fait 4. Donc on a le 2, on a le 6. On a 2 et 2, 4, 6 moins 4. Oh putain, non. Non, je l'ai pas. Oh, c'est chiant, les longues distances, c'est chiant. Je partais encore sur mes numéros de ce matin-là. 5, 10, 13, 15. Ou à 6, 2, 4. Ça faisait l'arrivée. Hein. À 6, 2, 4 ou 13, 10, 15, 5. Je pars dans des calculs ce matin. Je fais de la merde. Je le savais, hein. Je le savais. Déjà, quand tu pars, tu te dis je vais faire de la merde, bah tu vas faire de la merde. Hein. 13, 15, 6. Ah, faut pas parier ce matin, c'est pas pour moi. Là. Faut pas me suivre. Moi, j'essaie de vous montrer des théories, mais faut pas me suivre. 13, 15, 6, 2, 8. Pour le site de PMU, nous propose quoi? Salut Ferdinand. Le pronostic de PMU pour le quintet. On parle de l'opération parier sur un turfiste, c'est sympa, avec Antoine Griezmann, l'ambassadeur du PMU, qui est donc le passionné. On a également Hervé Engel, qui est notre expert, qui est le stratège. Et puis bah, voilà, c'est vrai que c'est une opération très sympathique. Le pronostic du quintet pour le 3-14-2-6-9. 3-14-2-6-9 pour PMU, là. On va regarder aussi le quintet d'hier. Sinon, on a le pronostic ici de PMU, là, pour aussi la course. 3-14-2-6-9, As 15-5. Concernant les paris, ce genre d'opération qui dure 3 mois avec le PMU, c'est quelque chose qui est très bénéfique, forcément, pour notre établissement. Toujours, ça remet un peu de monde.
plus de monde que d'habitude. Et surtout pour la caisse. Alors, justement, on va parler de quelque chose d'important, la caisse aussi des téléspectateurs, la caisse des parieurs. Ah, c'est les journaux, là, les journaux en France. Voilà votre ticket, je vous laisse le tenir, Ram. Vous avez fait ces choix-là, donc c'est le 15 qui est en tête. Alors, attendez, je vais l'écrire correctement, parce que j'ai vu tout à l'heure que vous aviez mis, on a enlevé... Là, le quintet d'hier, c'était quoi le quintet d'hier, les amis? On va essayer au moins de se faire le quintet, parce que... Au moins un trio, parce que on n'a rien ce matin. Le quintet d'hier, on a 9, 6, 11, 12, 8 en France. À 13h50 hier, on avait 9, 6, 11, 12, 8. On a le pronostic de PMU, on a 13, 15, 6, 2, 8. On va faire nos calculs, il y a 16 partants aujourd'hui, je crois. C'est une longue distance sur Père, 2000 mètres aujourd'hui à Cagnes. À 15h15, il faut faire. Comment on fait 15h15? Comment on fait l'As, le 5 ou le 15? À 5 ou le 15? Comment on fait ça? On a le 9 et 6, 15 d'hier, possible. On a une cote à 5,4 du favori. On a 16 partants. Merci, merci, 9 et 6, 15, 5 moins 1, 4, ça fait 4 fois 4, 16. C'est 9, 6, 9, 6. Ça fait 14, 4 et 1, 5. Oh, c'est quoi? 14 et 2, ça fait 16. 14 et 2, ça fait 16. 6 moins 1, 5. Oh, c'est quoi celui-là? À 16 partant, 6 fois 2, 11. Hier, on avait 9, 6, 11, 12, 8. Lequel qu'on va prendre aujourd'hui entre 9, 6, 11, 12, 8 d'hier, l'arrivée d'hier au quintet. 9, 6, 11, 12, 8. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? On a une cote à 5,4. On a 16 partant. Il faut faire 15h15. Il y a 9 et 6 qui peuvent faire 15. Il y a... Pour faire le 5, ça fait quoi? 11 et 12, ça fait 23. 3 et 2, 5. On a le... 11 et 12, ça fait 23. 3 moins 2 égale 1. Donc on a l'as de 15h. On a le 5, 15h15. On a 9, 6 qui peuvent faire 15 aussi, ou 11, 12 qui peuvent faire 15. On a deux favoris là, ou alors on a le 6, ou alors on a le 12 ou le 14. Et on sait que 16 partants égale 8 fois 2, 16, égale 4 fois 4, 16, égale As plus 6, 16, 10 plus 6, 8 plus 8. Enfin, tu vois, tu as 50 000 calculs pour faire 16. 12, ça fait 12 et 9. 12 et 9, ça fait 2 moins 1 du 12. 2 moins 1. 9 moins 1, ça fait 8. Ça fait 12, 9. 12, 9, 11. 12, 9, 2. 12, 9, 12, 9, 11. 12, 9, 2. On aurait le 12, 2 d'hier. Le 12-9 d'hier, avec 12-9-2, on aurait le 12-9 d'hier. La course qui vient de se courir, on a 13-15-6-2-8. On a 12-9-2-6. On reprend le 6 de la course d'avant, 12-9-2-6. 12-9-2-8, 12-9-2-6. Après, on a 2 moins 1 et 8, 8 fois 2, 16, 6 et 2, 8, 8 et 8, 16, ouais, 12, 9, 2, 8, 12, 9, 2, 6, 12, 9, 2, 8, 12, 9, 2, 8, 12, 9, 2, 8, tu vois un petit peu l'arrivée que ça pourrait faire, 12, 9, 2, 8, après la cote du favori va peut-être changer, ça. On va peut-être prendre le 6. Hier, on avait l'arrivée du quintet hier, 9, 6, 11, 12, 8.
Ah, si on passe le 6 en favori, là. Il a 5,2 le favori, là. Après, le pronostic de PMU, on a 9, 6, 11. Pronostic de PMU, on a 13, 15, 6, 2, 8. Non, attends, c'est quoi? Putain, qu'est-ce que je raconte? Non, le pronostic de PMU, on a quoi? Je lui en ai parlé tout à l'heure. La course qui vient de se courir, on a 13, 15, 6, 2, 8. Le quintet d'hier, on a 9, 6, 11, 12, 8. Et le pronostic de PMU, là, on a quoi? On a 3, 14, 2, 6, 9. Avec le 6, il va passer favori ou quoi là? À Cagnes-sur-Mer. Moi j'ai le 6 le favori là. Elle nous parle du 14. Ah oui, c'est R1-C4, il peut tomber le 14 en favori ou une cote à 14. Une cote en 14 en gagnant ou le... Oh, c'est du plat, là. On va peut-être mettre le 14, R1-C4, on va peut-être mettre le 14 pour démarrer. Très marrant. Ou alors, sinon, une cote à 14, on a quoi? Ou alors, le 2, le favori. Une cote à 14, on peut avoir le 3 ou le quoi? Le 9? Le 9, il va peut-être descendre un peu. On a le 2, le 9 ou le 14 en gagnant. 2, 9 ou 14 en gagnant. On a une cote à 5,2. Ah, je suis perdu là. Je suis perdu les gars, j'étais dans des calculs, je suis perdu là. J'avais 12-9 de 8 et là je me retrouve avec 2-9 14 en gagnant. Je sais pas lequel choisir. On a As-4-2-14, As-4-2-10, As-4-2-14. C'est quoi celui-là? Pourtant c'est 2000 mètres, 16 partants, 15h15 de départ. On va prendre 14 As. 4 et 1, 5, 14 As, on va prendre le 2, 15h15 de départ, 14 As, avec la course d'avant, ça n'a rien à voir. 4 et 1, 5 avec le 15, 14, 4 moins 1, 3, je sais pas. On a le 2 de la course d'avant, on a l'As, comment on prendrait l'As? Je suis emmerdé les gars. C'est As de 12 ou As 4 14? As de 12 ou As 4 14? As de 12, on va prendre les favoris, As de 12 alors. Je vais attendre à 3 minutes de départ ce que c'est comme calcul pour faire les calculs, pour faire 16 partants, faire 15h15. Je vais regarder à 3 minutes de départ parce que je suis perdu là. Ah, aujourd'hui ça va pas les gars. Il y a des cotes à 20 euros. Il y a une cote 20 euros. Là il fait beau. C'est quoi? C'est des vieux chevaux? C'est quoi? C'est des 5-4 ans? 5-4 ans? On a Pasquet qui va venir gagner son quintet là pour l'été. L'été, Pasquet, il aime bien gagner les quintets. Le 12? Non. Là, j'ai le 6 le favori. Tout à l'heure, j'avais le 2 en favori. Là, j'ai le 6 en favori. À la télé, il y a le 2. Pour faire les calculs, c'est pas évident quoi.
y a quand même 5-6 chevaux qui font un exemple. Pour lui, ce sera difficile de faire le monter bien placé. Il faut le monter bien placé quand il n'y a pas de chevaux. Ce n'est pas très bon. Aujourd'hui, je pense que Shenko, il a une ligne en dessous de l'année dernière, alors que Patetti, il a l'air deuxième fois contre lui. Nous avons vraiment la dernière course, c'est un peu sa course. 14-9-2 As-3, 14-9-2 As-3, non ? Ah, mais c'est 6 qui m'emmerde. 14 As-2-3, 14-9-2 As-3, 14-6-2 As-3. 14-6-2 As-3. On a le pronostic de PMU. 3-14-2-6-9. Moi, je mets l'As. As-3, 14, 2, 6, 9. C'est mon pronostic, les gars. As-14, 2, As-3, 6, 9. C'est mon pronostic. Je mets 6 chiffres. 6 chiffres, peut-être pour un multi. 6 chiffres. On a le pronostic de PMU. Pronostic de PMU. 3-14-2-6-8-2-6-9. 3-14-2-6-9. Je mets l'As en plus. Compliqué à s'élancer ? Non, pas forcément. Mais l'autre jour, il est rentré avant-dernier. Il est rentré dernier, ce qui a fait que ça a été un petit peu. On est R1-C4, ok. On sait qu'il est loin qu'un T plus. 14 As-2-3. 14 As-2-3-6, 14 As-2-3-9. J'aime pas les présentateurs en plus, là, ils me perturbent, ils sont chiants ceux-là. As-2-3-6, 14 As-2-3-9, un trio multi. Après j'arrête, hein. Je suis naze, hein. je pars dans tous les sens, c'est chiant. J'ai rien du tout depuis tout à l'heure. Si on fait As-9-12 de tout à l'heure, As-9-12, ça faisait quoi un trio? Un 2 sur 4, t'étais payé combien à Cagne? Rien du tout. Il faut rester sur As-6-2-4, hein. Faire les recherches sur As-6-2-4 ou 5-10-13-15. Il faut faire les recherches à partir de cela, soit As-6-2-4 ou soit 5, 10, 13, 15. Et puis après, rajoute un favori. Tu prends un ou deux numéros de une ou ces deux formules. Tu as une formule qui est à 6, 2, 4. L'autre, c'est 5, 10, 13, 15. Tu rajoutes le favori. Tu prends un numéro d'une de ces deux formules ou deux numéros. Tu joues en 2 sur 4. Mais c'est facile à dire, tu vois. Quand tu es sur place, bah, tu piétines. On fait rien, hein, on fait rien. Les combinaisons, je les ai, je peux t'en donner 50 000. Les combinaisons, il va bien y en avoir une de bonne, mais je ne veux pas en donner 50 000, c'est pas mon intérêt, quoi. J'ai pas envie que vous perdiez le reste de la mise et que vous gagniez que juste. J'ai envie juste de faire de la gagne, moi, j'ai pas envie de faire des perdants, moi. C'est chiant, c'est chiant, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, les gars. On verra demain parce que là, je suis réhabitué à. Enfin, j'ai droit au partage sur les groupes. Je suis pas habitué d'avoir 4500 personnes en une heure là, sur le live. Là. Ça me bouscule aussi là. Puis c'est la fin du mois. C'est toujours aussi chiant chez PMU pour trouver la fin du mois. Ah, c'est chacun fait comme il aime, comme ils aiment. Chacun fait comme il aime, quoi, je veux dire. Je te demande pas de me suivre au pied à la lettre. Il y a des coups plus sûrs que d'autres à faire. Aujourd'hui, c'est pénible. C'est des longues distances. Tu vois bien qu'à Nantes, là, en athlée, il y a 6 disqualifiés sur 16 ou un truc comme ça, c'est un peu chiant. Il a
On est un petit peu sur la formule de revenir en été, là. Je te dis que les pronostics de PMU, hein, je t'ai montré. Pronostics de PMU. Tu prends pas les pronostics hein, sur l'application directement. Tu prends l'application, le pronostic qui est en haut, là. Tu vois, là, tu as l'application PMU, là. Tu as toutes les courses de la journée. Tous les jours, tu as toutes les courses. Tu vois, à cause de Quintet, tu as le pronostic qui paraît ici. Le pronostic qui paraît ici. Ou sinon, tu vas là. Il y a deux petits traits là. Tu vas là. Tu vas pronostic du jour. Voilà. Tu as tous les résultats de pronostic du jour. Et tu vas voir, il va nous proposer. Et ce matin, il donnait des multi, des trios, comme la transmission été-hiver, hiver-été. La transmission, ces pronostics-là sont bons à suivre. Il y a beaucoup de trios, beaucoup de multi. Bon, tu regardes le Equidia, puis tu enlèves les tocards, c'est facile à dire, mais... 3, 14, 2, 6, 9 sont pas mal, hein. Moi je rajoute là, ça... Regarde le R2C1, 2, 7, As, 18, As, 10, 12, 5, 7, 18, R2C2, il y a 17, 17, R2C3, 2, 3, 11, 7, 4... Il y a 2, 3, 4, 11, il y a le multi, R2C3, il y a le multi, R2C4, 4, 5, 14, 11, 6, il y a 6, 5, 11, 6, 5, 11, il y a un trio, R2C5, 2, 3, 5, 6, 11, 6, il y a 5, 3, 11, 1, 2 sur 4, tu joues 2 sur 4, tu joues en 2 sur 4, 2, 12, 7, 4, 11, il y a 11, 7, ah, tu vois, tout est pas bon, mais c'est quand même pas mal. Il y a R2C7, 15, 3, 6, 14, 2. Il y a 15, 3. Il y a 2. T'es payé 3 fois en 2 sur 4. Il y a 13, 3, 10, 12, 2. 13, 3, 12, 2 encore. Un multi encore. Deux multi déjà. Ce matin, proposé par PMU. Hein. Et je te dis, c'est pas proposé sur, sur le truc d'origine. Il faut que tu ailles en haut, là. Il y a deux petits points en haut. Il faut que tu vas en haut. Tu as deux petits points. Puis tu as le pronostic du jour. Et là, c'est un peu plus intéressant, là. C'est un peu plus recherché, là. C'est pas mal. C'est la transmission, été-hiver, hiver-été. Ils sont bons à prendre, ceux-là. Ceux-là, c'est bon à regarder chez PMU. Là. Le reste de l'année, ça vaut pas grand-chose. Mais PMU, transmission, été-hiver, hiver-été, tu recherches partout. Tout le monde cherche à quoi jouer. Il faut suivre, en fait, pour PMU, bêtement, c'est pas mal. Enfin, faut suivre, pas bêtement, mais c'est vraiment intéressant, quoi. Tu vois, il y a plusieurs multis proposés ce matin et ils proposent pas 50 000 numéros, hein. Après, il faut vérifier quand même si les multi, ça vaut quelque chose. En R2, tout à l'heure, les multi ou en R3, je ne sais plus ce que je regardais, là. R2, les multi, ils valaient quoi? En R2, les multi... 3, As, 10, 2, 12, là. Combien ça valait, ça, en multi, là? Là, ça faisait aller en trio, 38 euros. R2, C6, ça valait quoi? R2, C6, en... Ils proposaient quoi? Multi, trio? Un multi R2C6 à 441 euros, 444, multi en 5, 88 euros, multi en 6, multi en 5 c'est quand tu joues 5 numéros, multi en 6 c'est quand tu joues 6, pour un multi. Tu joues 4 numéros en multi, tu faisais 441 euros. C'est pour ça qu'il faut resserrer le jeu, pour resserrer le jeu. R2C5, il nous le donnait propre, As 2, 5, 3, 11. Le multi, combien il valait? 94 euros. C'est pas mal. 4-3-2-11, 4-3-2-11 à Amiens tout à l'heure. C'était lequel celui-là? R2-C3. C'est pas mal à prendre. Hein. 535, 107, multi en 6, 35 euros, multi en 5, 107 euros, multi en 4, 535. C'est transition, hiver, été, été-hiver. Les pronostics en haut à gauche sur l'application PMU. Quand tu es sur l'application PMU, tu vas en haut à gauche, tu as deux petits traits, trois petits traits, c'est bon à prendre. RAC4, une cote à 14 euros ou 14.
qui vient en dehors. Gladder Speed, Tideway au centre pour la victoire. Thunder Speed également qui se relance maintenant. By the way, Thunder Speed, Koshenko, Mikado qui termine en trombe. Et c'est By the way qui aura dernier mot. Le numéro 14 au départ, c'est certainement le numéro de Thunder Speed. Le quintet RAC4, tu vas prendre le 14 ou une cote à 14 euros où tu prends le favori? Qu'est-ce qu'il propose à 14-3? 14-3, après le deuxième, c'est quoi? La deuxième place pour Thunder Speed, la troisième place pour Mikado, la quatrième place pour Glacier Peak et la cinquième place. Est-ce qu'elle revient à Kuchenko ou à Volari? 14-2-3. PMU proposait le trio, 14-2-3. Il y avait le 8, Salopard, et c'est le 11, troisième. Le 14 associé à Aurélien Lemaitre, le cheval avait un bon numéro dans les stades, hein, il devait rester sur des sorties correctes à ce niveau-là. Et donc il est performant ici à Cannes-sur-Mer, hein, sur la piste en sable. Le 11, 3ème, 5ème, le 11. Il y a une course très rapide. Ouais. 14-2-3, hein. PMU proposait le trio. PMU proposé, hein. 3, 14, 2, 6, 9. Hein. Ah, la 5ème place, je crois que c'est le 11. 14, 2, 3, 8, 11. Bon, les gars, j'arrête là. Ouais, on arrête sur un trio, là. Philippe Decoux et Durix Cécile, un de Canoë. 14, 2, 3, 8, As, 14, 2, 3, 8, 11. Fais chier entre le 9, 6, là, j'aurais mis le 8, putain de merde. Encore le 8, comme hier. Ah, il y a une faute, il y a une erreur, je sais pas quoi, là. On va attendre, parce que ça se trouve, le 8, il veut être disqualifié, on va être bon. Hein. 14, 2, 3, As, on aura un multi. Bon, Thunder Speed court très bien, hein, et répète que le cheval a montré récemment. Mais faut y terminer. RAC4, hein, tu prends le 14 ou tu prends une cote à 14 ou alors tu prends le favori. Ça c'est plutôt à gauche. Hein. RAC2, tu prends une cote à 12, tu prends une cote à... pour le quintet, hein, en France. Hein. Oh, il y a des belles cotes ce matin. Alors, c'est vrai que la règle, il y a deux choses. Soit on considère que Mikado a géré Captain de Cerisy, et si Captain de Cerisy aurait terminé devant Mikado, on peut changer l'arrivée. Ça ne semble pas être le cas. En revanche, y a-t-il une montre dangereuse? C'est vrai que c'est quand même un coup de bidon assez sérieux qu'il a là-haut. Le quintet d'hier. Le quintet d'hier, on avait le 8 à reprendre, le 11 il s'est fait en 2, et là il s'est fait en 2 moins 1. Là il nous proposait ça, PMU, là, 3, 14, 2, 6, 9. Moi j'ai rajouté là, ça. Là c'était l'ancienne arrivée qui vient de se faire, 6, 2, 8. C'est 2, 14, 2, 3, 8, As, 14, 2, 3, 8, 11. Le 8, ça fait deux fois qu'il me peut prendre des quintets cette semaine. Il me prend deux quintets cette semaine, le 8. C'est toujours les mêmes numéros qui vont te prendre les gains. Toujours les mêmes numéros. T'as des numéros qui rapportent et t'as des numéros qui vont te prendre les gains. Toujours les mêmes. Ouais, Simou, le dernière minute, le 8, ouais. Ah, le 3, peut-être. On va regarder le 3, je sais pas ce qu'ils vont faire du 3. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec le 3, là, je sais pas. Là, c'est les 5e, Kuchenko, effectivement. 14, 2, 3, 8 et As, avec une enquête qui concerne le numéro 3, on continue dans parler. On va regarder le 3, ce qu'ils vont faire. Et quel rendez-vous, hein, le Grand Prix du département 06, première étape du défi du galop 2022. Tout à l'heure pour ce joli rendez-vous en question concernant toujours Mikado, le numéro 3, le 3e. Moi, je vous laisse, les gars, je vous laisse. Je suis KO. 2h05 de live, je suis KO. 14, 2, 3, 9, 14, 2, 3, 6. Le 8, il m'enlève deux quintés cette semaine. Je propose pas 50 numéros, tu vois bien. Je propose deux formules, je propose pas 50 numéros.
quand tu proposes 50 numéros, tu as intérêt d'avoir des belles cotes dans le quintet pour avoir du bénéfice. Hein. Ben, ce matin, c'est assez compliqué. Je te proposais ce matin de jouer à réfléchir sur A6-2-4 ou... Ben, tu vois, il y a plein de calculs. Hein. J'essaie de te montrer les calculs et vraiment les intéressants, la transition hiver-été, été-hiver, la transition, c'est de jouer avec PMU. Hein. Je t'ai montré sur l'application. L'application PMU, tu ne vas pas sur les applications PMU, sur le pronostic de la course normale, tu vas en haut à gauche, il y a deux petits traits. Tu appuies sur les deux petits traits, tu auras le pronostic du jour, tout ça. Et c'est un peu plus détaillé, c'est un peu plus resserré les pronostics. Donc ce matin, ils proposent plusieurs multis encore, plusieurs trios. Comme hier, je crois que ça a commencé hier ou avant-hier, pour utiliser les deux petits traits, les trois petits traits, la transition été-hiver, hiver-été. On se cherche de partout à chaque fois et il faut suivre les pronostics de PMU, mais en haut à gauche sur la petite flèche, les deux petits traits en haut. Pas directement sur la course. Allez, bisous les amis. Bisous, bisous. On va attendre l'arrivée du 3 ou pas. On va attendre. Et bisous les amis, merci. J'arrête. Ah, attends, c'est pas celui-là, merde. On va mettre celui-là là. Un bisou à demain les amis, merci. Ça marche Ray, ça marche. Bienvenue Ray. Bonjour à toi Ray, je m'en vais là. Je m'en vais les amis.